Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'ouverture d'un swap. Il y a quelques semaines, on a réalisé un swap à 5. Chacune d'entre nous savait à qui elle envoyait mais ne savait pas de qui elle allait recevoir. C'est mon mari qui avait fait le tirage au sort. Et du coup, j'ai reçu mon colis hier et donc je tourne aujourd'hui cette vidéo. J'ai juste ouvert le colis, mais je sais de qui ça vient puisque j'ai reçu mon colis de Nestouket, ma Cobeta de Shelby. Toutes les deux, on apprend à se connaître comme ça et je suis super contente de cette amitié 2.0. Et du coup, on y va. Je vais ouvrir ça avec vous et c'est parti. Déjà, un petit paquet de bonbons. Je sens qu'il va falloir que je les cache. Prends un bonbon, sors les paquets, le menu est au fond. Elle a mis le menu et tous les paquets dessus. Prête? Alors, on peut commencer. Enjoy. J'ai aussi une magnifique carte que je lirai tout à l'heure. Donc, j'ai sorti tous les colis sur la table, j'en ai partout. Et donc, j'ai un superbe menu écrit sur une page de scrap. Donc, moi qui suis scrapeuse, forcément, ça me touche. À prendre dans l'ordre ou le désordre. Bon, bah, moi, je vais prendre dans l'ordre quand même. Mais j'espère que je ne vais pas me tromper. J'ai déjà vu qu'en déballant, il y a un zéro. Et il n'y a pas de zéro sur le menu. Donc, commençons par le zéro quand même, hein, on est d'accord. C'est parti. Je suis armée des ciseaux. Je vais bien évidemment couper un peu les bruits de montage, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Le zéro, c'est du masking tape. Il est trop, trop beau. J'aime beaucoup les couleurs. Donc, un orange avec des cœurs roses, du doré et puis un... ça doit être un Make Me Smile, je vois Me Smile, mais voilà. J'adore, j'adore. Si elle avait vu ma collection de masking tape. C'est parti. 1, 2, 3, il faut suivre la lumière. Alors. Un, deux, trois, il faut suivre la lumière. Une bougie. Je ne sais rien. Ah oui, je vais sentir les paquets, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, voilà. Des tartelettes Yankee Candle. Que des odeurs que je ne connais pas, en plus c'est génial. Donc, il y a A Calm and Quiet Place qui sent... Je suis très très fan des bougies Yankee Candle. C'est voilà. Bellini à la fraise pour prolonger un peu l'été, c'est parfait. Et Jumi Summer Night que j'avais déjà senti, mais je crois que je l'ai pas celle-ci. J'adore, merci. 2, donc ça n'est pas ça n'était pas une bougie, c'était des tartelettes. Je vais quand même préciser puisque je me rappelle d'une petite blondie qui a reçu ça une fois dans son swap et qui se demandait comment l'allumer. Ce sont des tartelettes que vous mettez au-dessus d'un... Il y a une mouche à côté, là, qui... Vous inquiétez pas. Vous mettez ça sur un brûleur et en fait, il y a une bougie chauffe-plat plus bas qui fait fondre et en fondant, ça devient donc une cire liquide qui dégage l'odeur, qui redurcit, que vous pouvez réutiliser plusieurs fois. Certaines personnes ne les utilisent qu'à moitié. Perso, je les utilise en entier, j'utilise plusieurs fois. À savoir, pour celles qui ne savent pas comment enlever la cire, quand votre cire a durci, vous mettez votre brûleur, votre appareil, vous mettez la cire dans le congélateur 20 minutes. Après, ça s'en va, sans trace. C'était la petite minute truc et astuce. 2. Compagnon de route. Alors, le numéro 2. Compagnon de route. C'est une enveloppe. C'est compagnon de route. Ah, ça y est, ok, j'ai vu le logo derrière, c'est pour ça.
C'est... Oh, j'adore. Je trouve l'idée juste sublime, Manès. C'est vraiment très, très, très bien. En fait, c'est un livre audio que je vais pouvoir apparemment télécharger. Et donc, le livre audio, c'est 30 Reasons Why, ou 13 raisons why, mais bon, je vous le dis en anglais. Et je trouve l'idée super, super chouette. Franchement, c'est cool. Je suis trop contente. Vraiment, je trouve l'idée géniale. Je ne savais même pas qu'on pouvait offrir un livre audio à quelqu'un. Et je n'ai en plus pas vu la série Netflix, donc c'est parfait. Et compagnon de route, puisque si vous me suivez, je n'écoute mes livres audio que dans les bouchons. Pendant mes heures de transport. C'est le chat. Pendant mes heures de transport pour aller au boulot. 3. Avant d'être livre, j'en étais un. 3. Avant d'en être livre, j'en étais un. Un carnet. Je sens la reliure. Ouais, je dirais un carnet. Ouais, c'est un carnet. Je suis super fan des carnets. La couvre, j'adore les carnets à spirale en plus. Follow your dreams, they know the way. Elle est juste sublime en termes de couverture. C'est ligné, donc moi ça me va parfaitement bien. J'adore et je suis une grande fan des carnets. J'en ai plein partout. Donc, c'est toujours quelque chose que j'apprécie. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. 4. Alors, Manès, tu picolais pendant que tu m'écrivais mon menu parce que 4, il n'y a rien. Donc, je devine comme ça. Bon, 4. 4. Donc, c'est léger. Enfin, léger. C'est pas un livre, quoi. Ça fait du bruit. Ça se mange. C'est un truc pour écrire. Qu'est-ce que ça peut être? C'est des stylos. Et ils sont trop beaux, très colorés. Ce qui va parfaitement bien avec hein, on est d'accord. Donc c'est parfait. Pareil, les stylos, les crayons, les feux, tout est bien. J'en ai plein. Je le vis très bien. 5. Reproduis-moi à l'infini, mais toujours à l'identique. Oh non, j'aime pas. C'est vraiment des trucs. Reproduis-moi à l'infini, mais toujours à l'identique. Donc c'est très très plat. C'est un truc pour photocopie. Non. Je sais pas. Je peux reproduire à l'infini. Ou un dessin. Je ne sais pas. Ah. Ah. Super. C'est des pochoirs pour bullet journal. C'est super chouette. Je ne sais pas si vous les connaissez, ceux-ci. Moi, en tout cas, je ne les connaissais pas. C'est de la marque Toga. J'en ai, mais je n'ai pas celui-là. Et il est vraiment chouette. Donc voilà, des pochoirs. Tout le monde sait comment ça marche. On est d'accord. Je suis trop contente. 6. Je laisse ma trace là où tu me places. Je laisse ma trace là où tu me places. Un tampon? Ah non, de l'encre. Donc c'est... Elle a pensé à mon scrap, hein, je vous le dis moi. C'est des encres Easy Ink avec des couleurs très estivales. Que je n'ai pas, je dois avoir un rose un peu comme ça, mais c'est tout, et un peu de jaune. Mais les quatre couleurs sont très très chouettes, j'aime beaucoup. Non, toujours un spécial bullet, mais on fait bien ce qu'on veut avec. Mais ah non, elles sont très très chouettes. Les Zinc sont une marque que je connais et qui ont assez bonne réputation, donc c'est parfait. Merci. 7. On s'y attache. 7. C'est tout petit. On s'y attache.
On s'y attache ou on l'attache? Un porte-clés? Un porte-clés, on s'y attache. Ben non, des trombones. Des trombones un peu comme ça. Donc elle est parfaite, toujours dans l'optique du bullet. Moi ça me va très très bien. Elles sont super chouettes. J'aime beaucoup. J'aime. Huit. Une valeur sûre, enfile ton cuir et fonce. Donc, je pense que c'est un livre. Une valeur sûre, enfile ton cuir et fonce. Un livre de biker. Enfile ton cuir et fonce. Alors j'avais fait une wishlist, on avait toutes, ah non pas toutes, certaines avaient fait une wishlist mais on est parti. Oh yes, tu l'es pas. L'astuce, cellophane, c'est parfait, les livres arrivent nickel. Watson de Blandine P. Martin, je suis trop contente. Oh non, j'y crois pas, et en plus il est dédicacé, d'où la complice, hein. Il est dédicacé par Blandine. On n'aurait pas une petite complice qui s'appelle Blandine P. Martin. Vous savez, mon amour pour la saga des Wild Crow. Wild Son est un spin-off de cette saga. J'ai adoré Kazay. Franchement, il m'a surprise. Je vous envoie, je vous réfère à ma vidéo avis sur ce spin-off. Et la couverture, merci. Et merci Blandine parce que tu étais hein, au courant un petit peu. 9. Un procédé qui se veut simple et efficace dans l'ordre ou le désordre. Elle est très énigmatique, Ness, dans ces trucs. Hein. Un procédé qui se veut efficace dans l'ordre ou dans le désordre. Un procédé qui se veut simple et efficace. Alors là, je ne sais pas. Un procédé qui se veut simple et efficace. Je pense que c'est un carnet, mais je vois pas, je comprends pas le lien avec avec le texte qu'elle m'a écrit. Un procédé. Mais non, ça y est, j'ai compris. C'est un bloc-notes. Pour les to-do list. À savoir que Ness et moi, on a beaucoup de points communs et en particulier, on fait presque le même métier et on est un métier où on adore avoir des listes et tout noter. Donc, un bloc-notes to-do list et en plus, il est super chouette. J'adore. Franchement, je trouve ça trop trop bien. Je pense que je vais le mettre sur mon bureau à la maison et pas au boulot. Parce que. Voilà. 10. Une explosion de douceur. C'est rond. Ça serait une boule de bain. On avait la question dans le questionnaire. On s'était fait un questionnaire un peu pour savoir. Et j'avais mis une baignoire. Justement. Ouais. Et ça sent bon. Vous savez l'odeur que j'ai là entre les tartelettes et ça. Il est trop 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 beau. Elle est belle, regardez-moi, avec un magnifique papillon. Donc c'est une bombe de bain. Je ne peux pas vous dire. Il s'appelle Flutter by Butterfly, mais ça sent trop bon. Oh, vivement qu'il fasse un peu moins chaud, que je me prenne des bains, je vous le dis. 11. Une pause douceur en prévision de l'hiver. Une pause douceur en prévision de l'hiver. Vous savez, cette cuillère en chocolat là, pour mettre dans du lait, avec un gros bloc de chocolat au bout, non? Je crois que c'est ça. Et j'adore. Mais j'y crois pas. Chocolat?
mes chocolats rhum. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, mon addiction pour le rhum va me suivre même dans mes chocolats chauds. Je kiffe la petite pipette de rhum. Hein. Vive-moi qu'il fasse froid. 12, toujours au top. 12. Toujours au top. C'est mou. Toujours au top en beauté. Je sais pas. Des masques. Je sais rien. Des chaussettes. Ça m'a l'air plat pour des chaussettes. Vous savez, les chaussettes pilou-pilou. Oh, c'est des masques. Alors attention, accrochez-vous. Masque. Masque yeux concombre. Je vous ferai peut-être sur Instagram ou story, ça dure pas longtemps, une petite photo avec ça. Un masque visage à l'avocat et un masque pied à la menthe. Alors là, si avec ça je ne suis pas au top, magnifique et prête pour affronter l'hiver, je ne sais pas ce que ça donnera. J'adore. J'aime beaucoup ces petits sachets. Je trouve que voilà, ça fait des petits cadeaux sympas et ça fait toujours plaisir et ils sont sympas. Ils sont assez agréables. J'en ai testé un comme ça, un visage avec des copines. On a une tête d'enfer avec ça, mais c'est assez efficace. 13. Shop ou encore. Stop. Stop. Shop. Stop. Ou encore. Stop ou encore. Ah bah oui. C'est des marque-pages magnétiques qui sont juste sublimes. Ah, je les trouve vraiment, vraiment très chouettes. Il va falloir que je les planque. Sinon, ma louloute, qui est une grande lectrice, je lui achète beaucoup de livres, me pique souvent mes marque-pages. Ils sont trop, trop beaux. J'adore. Il y a un 8 bis. Alors, je fais sortir le 8 bis. Alors le 8, c'était le livre de Blandine. C'est un badge de quelque chose. Comme il y a du plastique autour. Je ne sais pas. Ouais, je suis comme ça, moi. Je au couteau. Même pas peur. C'est un badge Casé Addict. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, il est trop beau. J'aime beaucoup le bleu. Je vous mettrai pas les lunettes, c'est un peu écrypti, mais je suis arrivée. Oubliez le Morito, votez Casédito. Caségito. Donc, 14. Donc 14. Alors il y a deux 14, Manès, je fais comment? Parce qu'il y a le 14 ici qui me dit parce qu'il faut sortir de sa zone de confort pour trouver des pépites. Ou il faut savoir tendre l'oreille. Donc, allons-y. Je ne sais pas de quel 14. Quel 14 j'ai dans les mains. Donc ça doit être, c'est des tout petits livres, mais alors quand je vous dis petit, avec quoi je pourrais la cuillère en chocolat Et alors là, je suis très 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 curieuse. Iniquité de Salvatore Mini, qui sont tout petits, aux éditions La Miroir, que je ne connais pas.
et il y en a un second, lui aussi tout petit, Seul dans le noir de Adeline Dieudonné. Donc c'est deux tout petits livres, je suis assez curieuse, je ne connaissais pas ce format, c'est rigolo. Donc vu que ce sont des pépites a priori, qui vont me faire sortir de ma zone de confort, on verra ce que ça donne, je vous en redirai des nouvelles. 15. Alors, le 15, je peux pas le dire là. Je peux pas. Donc, je ne dirai rien. Le 15, du confort tout terrain, peu importe où tu lis, il trouvera toujours sa place. C'est un cale-tête. Et je rigole. Beaucoup. Donc, c'est un, vous savez, un Talmud, il est hyper machin. Celui-là, faut que je me le planque pour pas que, pour pas qu'on le prenne. Je souris. Je vais t'envoyer un petit message après, Ness. 16. Complète le tableau du 14. Il faut savoir tendre l'oreille. Ah non, le 14 qui était là, le « Il faut savoir tendre l'oreille », c'est la suite du 16. C'est moi qui ai fumé. Complète le tableau du 14, « Il faut savoir tendre l'oreille ». Donc, les 14, c'était les deux petits livres. J'ai vu le capuchon, en fait, je pensais un peu les sourcils parce que j'étais étonnée. C'est une bougie With Wick. Et normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est une bougie avec une mèche crépitante, d'où tendre l'oreille. Elle est très boisée. Elles sont vraiment très très bonnes. Alors, je pourrais pas vous dire. Parce que c'est pas écrit... Si. Crac quand ça brûle. Bon, d'accord. Mais je ne sais pas. Elles sont super bonnes. J'en avais, je les ai cramés. Donc ça tombe bien. J'aime bien ce bruit. Je vous ai déjà fait, je crois, une vidéo ou une photo de quand je bouquine. On n'a pas de cheminée, mais quand je bouquine, je mets une vidéo de feu de cheminée sur la télé. Ça fait un peu l'ambiance. Et j'aime bien avoir des bougies qui brûlent, donc c'est parfait. 17. Il est là. 17. On me prend comme exemple pour illustrer la sérendipité parce que je résulte de la rencontre fortuite entre une situation banale et une préoccupation apparemment sans rapport avec elle, mais qui débouche sur une combinaison créative et favorable. Alors là, on me prend comme exemple pour illustrer la sérendipité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est des post-it index, vous savez, pour marquer un peu, quand vous lisez un livre, si vous avez par exemple c'est des post-it en fait. Avec des très jolis dessins végétaux de feuilles. J'aime bien tout ce qui est un peu végétal. Donc voilà. Mais alors, il faudra que tu m'expliques. Parce que. Qui débouche sur une combinaison créative et favorable. Le post-it. Enfin, le marque. Le marque. Quelque chose. 18. Nos lectures l'inspirent. Les nôtres, toi et moi, ou en général? Oh, je vais pleurer! C'est la version longue de A Star Is Born, en Blu-ray. Elle est complètement fade, cette nana. Je suis trop contente. Ça a été un véritable coup de foudre.
Je crois que Céline m'avait déjà mis un CD dans un DVD dans un swap. Je trouve l'idée excellente et la gourdasse qui est là en face, elle n'y a pas pensé pour s'asswapper. Entre parenthèses, s'asswapper, elle a pas reçu son colis parce que la poste a détruit le colis. Donc je suis en train d'en refaire un, quasiment le même. Je ne vais rien changer sur mes idées, même après avoir ouvert tout ça et avoir discuté avec Ness. Mais voilà, ma swapée, elle sait qui c'est Julie. Son colis a été détruit par la poste. Bref, fermons la parenthèse. Et donc, je trouve l'idée sublime. Et en plus, c'est le Star is Born. Trop contente. Cette vidéo va être horriblement longue. 19. Parce qu'en me mangeant avec 18, le plaisir est décuplé. Donc 18, c'est lui. 19. En me mangeant des chocolats. Les chocolats devant un bon film, non? L'hiver et tout. Ah, trop fort! Ah, j'adore! C'est du pop-corn. Mais il va falloir que je partage, tu te rends pas compte? C'est du pop-corn au micro-ondes. Mais ouais, j'adore le pop-corn. Donc, parfait. Un bon film, du pop-corn, une bonne soirée, et c'est bon. 20. 20. Un petit complice de l'apéritif. Alors là, des dessous de verre? Je sais pas, c'est carré. Ah non, c'est un jeu d'apéro que je ne connais pas. On en a un, nous, qui s'appelle Sandwich. On joue pas depuis longtemps. Là, c'est Happy Hour, parfait pour l'apéro. Pas de gagnant, que des perdants. Appelez à mes enfants, ça. On ne dit pas de gros mots, on ne pointe pas du doigt et on ne fait pas de pause pipi. Voilà les trois lois à respecter sous peine d'être obligé de boire. Peut-être pas jouer avec les enfants cette histoire. Alors, gardez un œil sur vos adversaires et tout au long du jeu, remplissez les verres et les défis. On va être torché cette histoire. Je t'en dirai des nouvelles. 21. Elle nous guette tous plus ou moins. La vieillesse. On en a peur, mais succomber apporte parfois d'intenses émotions. On ne succombe pas à la vieillesse. Alors la sénilité, je ne sais pas. C'est un livre, hein, mais... Je comprends mieux et je ne connais pas le livre. Le livre, c'est À la folie de Cindy Lia. On ne succombe pas à la folie. Infirmière fraîchement diplômée en psychiatrie. Alicia rejoint l'équipe du Center Hospital, vieille institution au cœur de New York dont les légendes précèdent la réputation. Entre secrets et phénomènes inexplicables, la bâtisse renferme son lot de mystères. À commencer par Julian, un patient au tempérament de feu, qui, à peine arrivé, donne déjà du fil à retordre aux équipes en place. Alors que la loi du silence règne entre les murs, Alicia se retrouve au cœur d'une série de meurtres non résolus qui la plonge rapidement dans une enquête au péril même de sa vie. Donc je pense que ça doit être un petit peu plus psychologique et suspense, voire un peu thriller, je ne sais pas, enquête en tout cas. Ben écoute, c'est assez attirant comme résumé. Je ne connais pas du tout, du tout. Donc moi, c'est ça que j'aime aussi dans les swaps, c'est de découvrir des trucs. On arrive au dernier, le numéro 22. À défaut de l'avoir en vrai, voilà un mini-lui. Un mini-lui. Une pop. J'en sais rien, je dis ça. Parce que c'est la forme. Ça m'a l'air d'être une pop. À défaut de l'avoir en vrai. Il y en a beaucoup que je veux avoir en vrai. Mon mari est là-haut. Trop fort! J'adore! Eh ouais! Jack Campbell is mine! Non mais sérieux quoi!
Black Fidelity. Alors celle-là, c'est une édition limitée, personne ne l'a. Hein? Je trouve l'idée super chouette. C'est super bien réalisé. Il est à moi. Shelby, si tu passes par là, tu vois, même la pop est à moi. J'adore. Je trouve l'idée excellente. Franchement, je vais avoir... Ah, mais tout est jusqu'au bout. Hein. C'est super bien fait. Jack Campbell, le héros masculin de Black Fidelity de Shelby Kelly. Oh, je suis trop content. Jet is mine. Je trouve... Je me remets pas. C'en est tout pour ce magnifique swap. Vraiment, Ness, tu m'as pourri gâté et tu es super bien tombée sur tout. J'adore. Je suis vraiment hyper, hyper contente. Tu as eu des idées vraiment chouettes. Enfin, je pense aux petits jeux, je pense aux DVD, je pense aussi aux livres audio. Et je trouve l'idée excellente. Tous les petits à côté, tu es tombée pile poil dans ce que j'aime vraiment. Comme quoi, même une amitié 2.0, comme tu l'as mis, je crois, au début de la carte, j'ai lu rapidement les premiers mots, ça le fait. Donc, merci, merci pour tout. Tu m'as pourri gâté. Je suis très, très, très touchée. Je vais de toute manière t'envoyer un petit message juste après avoir tourné cette vidéo. Merci. Un énorme bisou. J'espère que cette ouverture de swap vous aura plu. Et moi, je sais que j'aime ça. Apparemment, c'est le genre de vidéo que vous aimez bien aussi. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Candy Shy qui a reçu un colis de je ne vous dirai pas qui, vous irez voir sur sa chaîne. Et dans quelques, allez, on y croit, dans quelques toutes petites semaines, parce que je me dépêche, j'attends vraiment les derniers trucs sur ma commande pour pouvoir lui mettre dans un colis qui ne partira pas par la poste cette fois-ci. Vous irez sur la chaîne de Julie, mais je vous préviendrai de toute manière pour vous dire. Mais Julie ouvrira mon colis, je pense, aussi sur sa chaîne. C'était encore un super swap, vraiment. Toutes les cinq, on s'est bien marré, on a bien teasé entre nous, on s'est bien fait un peu ralouter. On a aussi un peu rigolé d'une petite erreur que mon mari a faite et qui nous a un peu embrouillé dans nos pronostics, mais rien de grave. De toute manière, tout le monde avait un colis, c'était l'essentiel. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!